Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. Nous nous retrouvons à nouveau ce soir avec la Bibliothèque publique d'information pour vous présenter le cycle Enjeux internationaux que nous poursuivons maintenant depuis plus de 2 ans, avec une séance qui sera ce soir consacrée au thème de la musique et de ses relations avec la diplomatie. La musique adoucit-elle les relations internationales ? La soirée va nous être animée par Alain Dikoff, qui est le directeur du CERI et qui est notre partenaire pour ce cycle, et à qui je laisse la parole. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jérémy, et bonsoir à toutes et à tous. En effet, le thème de ce soir à avoir concerne les liens entre musique et diplomatie, de façon plus générale, musique et relations internationales. Bon, ce qui peut paraître un thème un petit peu bizarre, exotique en tous les cas, mais qui a pas mal de vertus cachées que l'on découvrira, je pense, au cours de cette soirée. Donc soirée qui est animée par moi, mais avec 3 intervenants qui étaient prévus, mais comme vous le voyez, il n'y en a que 2 sur le plateau, mais de qualité, rassurez-vous. Je dois en effet excuser Gaël Massico-Bitti de l'Institut français, qui est toujours responsable du pôle spectacle vivant et musique actuelle à l'Institut français, qui est donc chargé finalement de la promotion de la France à l'étranger, pour faire vite, et qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Mais nous avons la chance d'avoir 2 intervenants de qualité. D'abord, à ma droite, Cécile Prévost-Thomas, qui est maître de conférence en musicologie à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, qui a travaillé sur beaucoup de choses, la sociologie de la musique, l'histoire de la musique, l'écoute musicale. Elle a beaucoup travaillé en particulier, et elle aura l'occasion de nous le dire ici, sur la chanson française et de façon plus générale francophone. Elle a publié un certain nombre d'articles, beaucoup d'articles et de chapitres d'ouvrages consacrés à la musique. Elle a une contribution aussi dans un ouvrage à apparaître bientôt en anglais, Made in France, dans lequel elle a créé un chapitre sur l'exportation de la chanson française, et c'est aussi une chanteuse à ses heures. À sa droite, Frédéric Ramel, qui est professeur des universités à Sciences Po Paris, qui s'intéresse à beaucoup de choses en lien avec les relations internationales, aussi peut-être étrange que ça puisse paraître, mais peut-être qu'il pourra nous en dire un mot. Il s'intéresse aussi bien aux questions de défense, hein. Il a été entre autres d'ailleurs conseiller scientifique de l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche de l'école militaire, stratégique de l'école militaire, pendant de longues années, mais il s'intéresse aussi à la musique, donc vous voyez, les 2 choses peuvent aller parfaitement de pair. Et il a, parmi beaucoup de publications, entre autres, dirigé le traité des relations internationales qui est paru il y a 2 ans aux presses de Sciences Po avec notre collègue Thierry Balzac, donc qui est une somme, on peut le dire en français, sur les relations internationales. Donc si au-delà de la musique vous intéressez aux relations internationales, je ne peux que vous encourager à recourir à ce livre. Et lui aussi, il est musicien, je l'ai même entendu jouer de la flûte baroque, donc spécialiste de la musique baroque, en particulier j'ai entendu un très beau morceau de Telemann. Voilà, je m'arrête là pour les présentations et j'en viens directement au thème de ce soir, les liens entre musique et diplomatie. Alors dans l'histoire, c'est vrai que dès l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, il y avait une circulation des musiciens en particulier, puisque Mozart avait fait des tournées en France. Handel était d'origine allemande, mais il a fait toute sa carrière à Londres, et il est devenu
plus anglais que les Anglais à bien des égards. En tous les cas, il a marqué la musique anglaise de façon très très importante. Donc il y a eu une circulation des musiciens, une circulation des genres musicaux, et il y a aussi eu de tout temps un certain lien évidemment entre la musique et le pouvoir, en fait, hein. François Ier, Louis XIV ont tous eu leur musicien favori et qui ont laissé des traces dans l'histoire musicale et dans la musique de façon générale. Et on peut penser aussi au rôle que la musique a pu jouer dans certaines rencontres ou conférences internationales, et en particulier au début du 19e siècle avec le Congrès de Vienne. J'ai d'ailleurs, pour préparer cette soirée, vu que le prince de Ligne appelait le Congrès de Vienne le congrès qui danse, parce que on avait beaucoup finalement festoyé au cours de cette conférence qui devait sceller le sort de l'Europe après la défaite de Napoléon en 1815. Donc le lien entre politique de façon générale d'ailleurs et musique, et plus spécifiquement entre Herri et musique, est évidemment relativement ancien. Il a évidemment connu des transformations. Et donc j'aimerais peut-être demander à Frédéric Ramel, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces liens entre musique et diplomatie, et de façon générale peut-être musique et relations internationales. Frédéric. Oui, bonsoir à tous. Concernant cette première question, Alain, je pense qu'il faut partir d'une définition de la diplomatie. La diplomatie, c'est d'abord et avant tout une activité par laquelle les autorités politiques communiquent entre elles. Et on distingue généralement trois grandes fonctions à la diplomatie. Il y a une fonction d'abord d'information, pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, pour mener une bonne politique étrangère. Il y a une fonction de négociation, parce qu'avec les partenaires, il faut aussi traiter, hein, des traités de paix ou autres conventions internationales. Et puis, il y a une fonction de représentation. Et cette fonction de représentation, elle se stabilise par des ambassades permanentes à partir du XVIe siècle, grosso modo. Alors la musique par rapport à ces trois fonctions, je vais laisser un petit peu tomber la première fonction parce que bon, c'est vrai, tu viens d'évoquer la place des musiciens et la circulation des musiciens dans l'espace européen de la modernité. Certains musiciens étaient espions. Si vous lisez un roman qui est sorti il y a maintenant plus d'une dizaine d'années qui s'appelle Imprimatur, vous avez Robert Devizet qui était un guitariste de son état. On considère qu'il avait écrit des partitions qui étaient en fait codées, et donc des messages secrets passaient par la musique. Mais si on laisse tomber cette fonction d'information, on peut établir des connexions déjà entre la musique et les deux autres fonctions, c'est-à-dire la fonction de négociation et la fonction de représentation. Commençons par la fonction de représentation. Un ambassadeur se doit d'organiser un certain nombre de festivités et il commande des œuvres musicales, et c'est aussi une façon de projeter une image et d'assurer le prestige à l'étranger. Et pendant les négociations, tu viens d'évoquer d'ailleurs le concert européen de 1815, enfin, les négociations du Congrès de Vienne. Parallèlement aux négociations diplomatiques officielles, on a une autre scène diplomatique, et une scène officieuse, la scène des bals, des concerts, etc., où on continue de négocier, mais de façon différente. Et j'ai là un extrait très très court, hein, d'un historien du 19e siècle, Gaëtan de Raxis de Flasson, qui dès 1820 parle justement du Congrès de Vienne, et vous allez voir qu'un certain nombre de termes qu'il emploie font écho directement au titre de notre conférence de ce soir. Ces divertissements, donc ces divertissements parallèles à la négociation politique, n'étaient pas aussi étrangers au but du Congrès qu'on aurait pu le penser. Les divers ministres se rencontraient dans ces fêtes, se donnaient des explications, et il en résultait des rapprochements inattendus. Ainsi, les passe-temps agréables adoucissaient la roideur des prétentions. Sans eux, les esprits se fussent aigris davantage, car l'irritation mêlée d'ennui accélère les parties extrêmes. Donc, on a le terme adoucir les négociations. Mais au-delà de ces trois fonctions, je dirais que, moi j'utilise cette expression de la musique et diplomatie, les trois C de la musique, dans ses rapports avec la diplomatie, la musique comme célébration, la musique comme cérémonial et la musique comme conception. La musique comme célébration, la musique est
utilisés pour rendre compte d'événements diplomatiques majeurs. Des traités de paix sont l'occasion pour les leaders politiques de commander des œuvres. On vient d'évoquer Handel. Handel a écrit un Tédéum en 1713 pour commémorer la paix d'Utrecht. Et donc ça célèbre en effet des événements diplomatiques. La musique, c'est aussi, ça sert de cérémonial. Autrement dit, dans les relations diplomatiques, il y a un certain nombre de rites diplomatiques, par lesquels, d'ailleurs, voilà, on essaye de subjuguer l'interlocuteur, d'impressionner le partenaire, et c'est là où s'expriment parfois aussi les connexions entre le pouvoir politique et le pouvoir de la musique. On va probablement y revenir dans le cadre de cette séance de ce soir. Par exemple, le roi du Danemark Christian IV, au début du XVIIIe siècle, avait fait construire dans son château de Rosenborg, donc à Copenhague, un dispositif assez étonnant qui fait que lorsqu'il recevait une délégation diplomatique, les ambassadeurs entendaient une musique mais ne voyaient pas les musiciens. Il y avait un dispositif de musique caché. Alors, il y a une photo, je ne sais pas si on peut la montrer, voilà. Dans la salle, vous avez en fait un dispositif acoustique qui cachait derrière, sur le sol. Les musiciens ne sont pas dans la place, mais évidemment, il y a une diffusion de la musique à partir d'une autre scène, je dirais. Et évidemment, ce n'est pas simplement un paysage sonore que veut mettre en place le roi du Danemark, il veut impressionner son interlocuteur et susciter une plus grande attention. Et ça, c'est un élément qui participe complètement des relations diplomatiques. Et puis enfin, la musique comme conception, à la fois comme conception de la pratique du diplomate et puis comme conception de ce que devrait être l'ordre international. Lors de notre colloque qu'on a co-organisé, Cécile et moi, il y a 2 semaines, une collègue de l'université de Yale, Rebecca Arendt, nous a parlé d'un ouvrage assez étonnant, composé au XVIIIe siècle par Hubert Leblanc, qui s'intitule « De la défense de la basse de viol face au violon ». Alors, ça paraît complètement à côté de la plaque par rapport à notre propos de ce soir, mais en même temps, à deux niveaux, c'est une œuvre qui rend compte de ce que doit être la bonne pratique diplomatique. D'abord, le violon, c'est un instrument qui est fabriqué par les Orientaux, donc c'est le sultan violon, et donc c'est l'ennemi. La basse de viol, elle s'appelle Lady Viol, elle pratique au contraire dans l'intimité cet instrument, et la viole de gambe est un instrument d'accompagnement dans la musique baroque. Autrement dit, elle est sensible à l'écoute. Elle est jouée essentiellement dans des espaces feutrés, dans des espaces où le secret aussi apparaît. Et donc, c'est une certaine façon, la musique, une source pour orienter le travail du diplomate et inspirer le travail diplomatique. Et puis, la musique est aussi une conception de l'ordre international. Si je reprends le cas de 1815, les artisans de 1815 essayaient de diffuser une nouvelle conception de l'ordre international qui mettait fin à l'ordre révolutionnaire, où l'ordre révolutionnaire avait aussi une certaine conception de la musique. C'est la musique en plein air, on cherche le volume, et dont l'écriture aussi est quelque part révolutionnaire. Beethoven aussi s'est orienté dans ce prolongement. Et en 1815, on dit stop, et on diffuse une autre conception, on essaie de renouer avec des pratiques antérieures, et la musique sert, de façon très conservatrice du coup, à instituer un ordre monarchique. On réinstitue la monarchie après la phase révolutionnaire et la phase impériale française. Et du coup, la musique, elle sert aussi une certaine conception du monde. On le voit que du coup, la musique, c'est pas simplement utilisé pendant la guerre. Enfin, vous avez tous en exemple Full Metal Jacket, par exemple, où voilà, les soldats américains s'entraînent au rythme d'une musique violente. Dans les relations internationales, la musique aussi sert à la diplomatie. Elle sert à adoucir. Alors maintenant, comment et dans quelle mesure, c'est tout l'objet de ce soir, quoi. Alors j'ai envie de demander à Cécile, en effet, si on prend un peu au pied de la lettre la question de ce soir, la musique adoucit-elle les relations internationales, en quoi justement la musique doit servir à cet adoucissement ? Parce que ça suppose dans le fond que si on n'avait pas la musique,
parmi d'autres choses, les relations internationales seraient peut-être plus violentes. Est-ce que ce postulat est justifié ? Enfin bref, j'aimerais bien peut-être vous entendre un peu sur ce point-là. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, évidemment, cette question qui nous est posée, la musique adoucit-elle les relations internationales ? Évidemment, on m'a fait tout de suite penser à l'expression « la musique adoucit les mœurs ». Et qu'en est-il des mœurs ? Les mœurs, ce sont bien sûr les usages, les traditions, les codes et les conduites. Et est-ce qu'on peut adapter ce langage plutôt sociologique à l'échelle des relations internationales ? La question présuppose donc cependant que les relations internationales sont ou peuvent donc être délicates, tendues, rigides, enfin voilà, tous ces qualificatifs spécifiques. Alors, adoucir, c'est un terme qui me semble tout à fait intéressant. Bon, l'étymologie du verbe adoucir, les origines datent du XIIe siècle. Adoucir, c'est à la fois corriger ou diminuer un défaut, mais c'est aussi atténuer, au sens de rendre plus doux, donc rendre moins âpre, rendre les lignes plus harmonieuses. Alors c'est toujours intéressant de voir comment le vocabulaire musical nous permet de mieux comprendre des expressions, rendre moins aigu, moins intense, etc., moins dissonant aussi, moins désagréable. Tout ça me semble tout à fait approprié au thème de ce soir. Mais dans un autre sens, c'est également nuancer, rendre moins agressif, devenir plus humain. Alors là, on se rapproche bien sûr de nos préoccupations d'acteurs sociaux et d'êtres humains. Ce qui m'intéresse à travers cette question, la musique adoucit-elle donc les relations internationales, c'est qu'elle laisse entendre peut-être aussi que la musique joue un rôle, remplit des fonctions spécifique aussi à la musique, comme objet artistique, expression artistique. Un rôle ou des fonctions qui peuvent être des fonctions de communication, d'échange, de participation, de dialogue, avec des valeurs donc, de solidarité, des valeurs de fraternité, et peut-être, pourquoi pas, aussi de mobilisation collective autour de la musique. Et ça me semble d'autant plus intéressant que là, on dépasse les simples critères du divertissement aussi. On peut penser au-delà du divertissement ou de la délectation. Voilà. La musique remplit-elle donc des fonctions sociales ou symboliques ? L'actualité, peut-être que vous avez aussi entendu parler de ces toutes dernières expériences, en tout cas, ou de ces toutes dernières faits d'actualité. Fin mars, que signifie la présence des Rolling Stones à Cuba ? On a entendu parler de ça dans l'actualité. Le 5 mai dernier, il y a 4 jours, je ne sais pas si vous avez vu aux actualités, le soir, première actualité qui nous est offerte, un orchestre symphonique russe dans l'amphithéâtre de Palmyre. Voilà, ouverture du journal avec ce geste hautement symbolique. Qu'est-ce que ça signifie aussi dans ces relations internationales. Et puis je me disais aussi, pourquoi pas penser, alors je ne sais pas, peut-être que dans la discussion on y reviendra, ce qui se passe en ce moment Place de la République avec l'Orchestre Debout. Qui sont tous ces musiciens ? N'y a-t-il pas des élèves, des étudiants qui viennent de plusieurs pays ? On l'a vu il y a 15 jours avec l'Orchestre de Sciences Po, qui est composé de plein d'étudiants qui viennent de plein de pays différents. Qu'est-ce que ça signifie de jouer ensemble comme ça ? Au-delà de ce qui porte ce mouvement, mais en tout cas de jouer Dvorak, Beethoven, Verdi. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça sur la place ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se tisse de relations internationales entre ces personnes qui sont là et qui jouent de la musique ? Pour le coup, une musique instrumentale, ça pose aussi ces questions-là qui me semblent tout à fait importantes. En quoi finalement la musique est spécifique par rapport aux autres arts ? Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler, j'imagine qu'on y reviendra aussi, souvent on entend cette expression de la musique comme un langage universel. Si on met des mots sur la musique, si la musique n'est pas seulement instrumentale, est-elle pour autant universelle ? Je me souviens de l'ethnologue Shima Arom qui était venu dans mon séminaire de musicologie l'année dernière rencontrer mes étudiants, qui nous avait raconté que quand il avait rencontré les pygmées en Centrafrique, quand il leur faisait écouter des grandes œuvres de musique classique occidentale, ils n'avaient aucune émotion. Alors certes, voilà, il y a peut-être des au niveau de la structure, au niveau des paramètres sonores, évidemment des traits de l'universalité, mais finalement c'est des choses aussi qui sont intéressantes à creuser.
Donc pour moi, qui suis plutôt socio-musicologue, la question qui me semble tout à fait pertinente par rapport à la discussion de ce soir, c'est finalement quel lien se tisse entre les pratiques musicales et les relations internationales. La musique donc a-t-elle une spécificité ? Permet-elle de dialoguer finalement plus facilement à l'échelle internationale par les émotions, par la reconnaissance des traits culturels communs, aussi par l'acceptation de la culture de l'autre, enfin toutes ces questions aussi assez anthropologiques finalement. Et comme la notion de place, de rôle et de fonction m'importe beaucoup dans mes travaux de recherche, c'est aussi celle-là que j'aimerais poser par rapport à la question centrale de notre propos. Quelle place, quel rôle, quel impact, hein, la notion d'impact, je pense qu'elle est aussi tout à fait intéressante, peut avoir la musique dans cet environnement en fonction de tous les enjeux, bien sûr, qui sont présents, des enjeux politiques, culturels, mais je pense aussi linguistiques, hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et religieux aussi, pourquoi pas, les enjeux de chaque territoire. Et finalement, à partir de tous ces enjeux, quelle place a la musique pour les gouvernements, pour les États, pour les ONG? C'est aussi cette question-là qui me semble importante. C'est-à-dire, est-ce que ça sera de l'accompagnement, du divertissement ou un moment fort d'une négociation ou, enfin, voilà, comment tout ça se tisse, c'est ce qui me semble tout à fait stimulant dans cet échange. Absolument. Vous venez d'évoquer la question, en effet, des États, des organisations internationales. Et je pense que, en effet, c'est un point qui me paraît important et que j'aimerais qu'on aborde maintenant. C'est que on voit bien que dans l'affirmation progressive des États modernes, à partir du 18e siècle, pour faire vite, après avoir évidemment surtout pris en charge les fonctions souvent dites régaliennes, comme la justice, s'occuper de récolter les impôts, de faire la guerre aussi beaucoup dans la dimension extérieure, bien évidemment, la politique étrangère, avec l'affirmation, disons, de plus en plus grande de la force des États, surtout au courant du 19e siècle, on a vu que ces mêmes États ont, au fur et à mesure de l'extension finalement de leur assise, chercher de plus en plus aussi à être présent dans le domaine culturel au sens large et dans le domaine musical en particulier. Et c'est peut-être sur ce plan-là que j'aimerais maintenant qu'on déplace un petit peu la focale, c'est-à-dire voir dans quelle mesure la musique sert finalement aussi dans le fond à la diplomatie publique, c'est-à-dire comment les États, finalement, utilisent la musique pour, finalement, promouvoir aussi un certain modèle de société. Tu parlais de représentation, justement, en effet, la représentation d'un État. Et je pense que cette projection, finalement, des États à l'extérieur, avec leur montée en puissance, elle est passée par des vecteurs de plus en plus variés, en particulier culturels, et dans lequel évidemment la musique joue un rôle. Et c'est vrai qu'on peut penser en particulier que, si on pense à la... sans remonter trop loin dans l'histoire, parce que je crois que le phénomène, en effet, sous l'Ancien Régime, était de nature tout à fait différente, les États étaient beaucoup plus faibles à bien des égards. Mais si on pense par exemple à l'affirmation croissante des États-Unis au cours du XXe siècle, hein, qui passe finalement de puissance finalement assez secondaire à une puissance centrale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien que cette affirmation des États-Unis comme puissance impériale, comme disait Raymond Aron, elle passe aussi par la musique, hein, et en particulier après 45, l'arrivée des GIs a aussi signifié, entre autres, l'arrivée par exemple du jazz, donc qui a marqué évidemment, c'était tout un modèle qui s'exportait, toute une société finalement à travers la musique qui s'exportait. Et j'aimerais bien que Frédéric nous dise quelques mots de ce qu'on appelait les ambassadeurs du jazz et on passera après un petit extrait d'ailleurs pour illustrer ce propos et voir ce qu'ils ont pu jouer. Donc Frédéric, tu peux nous en dire un mot ?
Oui, alors c'est une période où la musique adoucit-elle la guerre froide ? Je ne pense pas, mais en tout cas, la musique participe de la guerre froide. Et je dirais que les États-Unis et le département d'État en particulier déjà à l'époque de la guerre froide étaient particulièrement sensibles à l'efficacité de promouvoir une certaine image à l'étranger dans le cadre de l'affrontement qu'est la bipolarité. Au milieu des années 50, à partir de 56 précisément, le département d'État a mis en place un dispositif qui s'appelle, comme tu viens de le citer, les ambassadeurs du jazz, qui avait pour objectif donc de projeter, entre guillemets, à l'étranger, des grands musiciens de jazz de l'époque. Le premier à faire ça, c'est Dizzy Gillespie. Il y aura après Armstrong. Il y aura évidemment des grandes pointures et des grandes figures du jazz, avec aussi donc un objectif, c'est de montrer dans le cadre de l'opposition bipolaire que les États-Unis, ce ne sont pas simplement des protestants blancs, que la culture afro-américaine et le jazz en particulier fait partie de l'héritage culturel américain dans une période où les États-Unis eux-mêmes sont affectés par le mouvement des droits civiques. Et donc dès 1956, on met en place ces tournées. Alors, où aussi les musiciens ont une espèce d'autonomie par rapport au pouvoir politique, où ils essayent de faire valoir leur conception de l'Amérique. En 1957, par exemple, Armstrong décide de ne pas réaliser sa tournée à l'étranger parce que Eisenhower, qui demande d'intervenir par le biais de moyens fédéraux, refuse de le faire au sein de l'Arkansas. L'Arkansas doit mettre en place le dispositif d'intégration des Noirs dans les écoles. Cela n'est pas fait. Et donc Armstrong demande de l'aide de la part du président Eisenhower. Eisenhower a des réticences. Bon, il fait pression et finalement Eisenhower intervient. Donc c'est une façon aussi de jouer à l'échelle nationale dans le jeu politique. Et ce dispositif des ambassadeurs du jazz reste complètement d'actualité puisque maintenant, il ne s'appelle plus comme cela. C'est Musicians Abroad, qui est financé par le département d'État, où on trouve le hip-hop en particulier, ou le rap, qui sont utilisés comme des vecteurs de projection des valeurs américaines. Et d'ailleurs, Hillary Clinton avait, lors d'une interview à la télévision, considéré que la musique transmet mieux les valeurs américaines qu'un simple discours. Donc, on voit qu'il y a une espèce de continuité dans la projection de l'image, de l'identité américaine à travers la musique. Donc on écoute un extrait, c'est ça ? Écoutez l'extrait, donc le premier extrait donc, des ambassadeurs du jazz, voilà. Remember who you are and what you represent. Always be a credit to your government. No matter what you say or what you do, the eyes of the world are watching you. Remember who you are and what you represent. Represent. Voilà, donc pour une illustration de ces ambassadeurs du jazz américain. Et j'ai envie de demander à Cécile, est-ce qu'on a quelque chose, sans doute peut-être pas équivalent, mais comment la France finalement se situe-t-elle, elle, dans cette diplomatie musicale ? Est-ce qu'elle a une politique active ? Quels sont les instruments dont elle peut disposer, les relais qu'elle peut mettre en œuvre, éventuellement les artistes qu'elle promeut, et quel est en gros le message ? Alors, il a peut-être pu évoluer avec le temps, mais disons, si aujourd'hui on devait définir le message de la France à travers sa... peut-être qu'il n'y en a pas qu'un de message d'ailleurs, de la diplomatie française à travers cela, et quel type de musique peut-être aussi est promue ? Est-ce qu'on met l'accent davantage sur la musique populaire ou sur la musique classique qui est peut-être plus universelle en ce sens qu'on n'est pas obligé de comprendre les paroles, donc il y a peut-être aussi la question de la langue. Enfin bref, voilà, donc je vous laisse la parole. Bien, donc c'est une question très, très complexe en fait, et en effet, alors je ne suis pas historienne, mais il serait tout à fait intéressant de voir évidemment comment tout ça a pu évoluer, aussi avec les institutions qui ont été partie prenante de ces relations internationales, qui ont beaucoup évolué même sur les 30 dernières années. Alors aujourd'hui, les deux institutions
qui donc développe à l'international la musique française à l'international. Ce sont donc l'Institut français et le Bureau Export. Donc pour ce qui est d'exporter des artistes français à l'international, mais ça ne nous dit pas tout de la circulation des artistes dans les instituts français à l'étranger, auprès des ambassades, des consulats, etc. Donc voilà, il y aurait vraiment tout un travail à faire à ce niveau-là. Mais ce que je trouve intéressant, en tout cas, si on regarde la période la plus contemporaine, c'est de voir qu'il y a à la fois une aide et une diffusion des musiques classiques et des musiques populaires, hein, si on reprend ces deux grandes catégories. Alors, peut-être une proportion plus importante pour les musiques populaires, mais c'est aussi parce que dans les pratiques musicales, les musiques populaires se sont énormément diversifiées, j'allais dire éclatées, mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de propositions d'offres musicales qui se sont développées ces 30 voire 40 dernières années, avec des courants musicaux voilà, parfois difficilement aussi définissables, hein, toutes ces catégories musicales au sein des musiques populaires qui sont appelées aujourd'hui par des institutions musiques actuelles, qui posent aussi des questions de dénomination, mais voilà. Et tout ça, pour moi qui réfléchis beaucoup sur la question de la francophonie, pose aussi la question que j'évoquais tout à l'heure, la question linguistique. Parce que finalement, la manière dont la diffusion à l'international de la musique a été rendue un peu visible ces dernières années, on en parlait tout à l'heure rapidement, c'est par exemple, à partir des années 90, quand on a parlé de French Touch, c'est d'un coup tous ces artistes issus des musiques électro qui auraient un petit peu comme ça en tout cas un accueil favorable à l'international. Mais là, ça ne nous rend pas compte de ce qui se passe vraiment sur le terrain, en tout cas de la diplomatie, me semble-t-il. Peut-être que ce sont deux choses complémentaires, mais en même temps que l'on pourrait dissocier dans la réflexion. Hein, est-ce qu'il suffit d'exporter de la musique avec cette intention aussi peut-être commerciale? Quelle est l'intention aussi culturelle? Enfin, sans dire que l'un est mauvais et l'autre est bon. Voilà. Et du coup, on est à partir de ces appellations comme la French Touch. Aujourd'hui, on parle de French Pop en France pour parler de la chanson. Enfin, ça pose aussi des questions, évidemment, de lexique. Hein, Ce qui m'a interpellée dernièrement, justement, par rapport à qu'est-ce qu'on porte à l'étranger, par rapport aux valeurs culturelles, finalement, est-ce qu'il y a une identité française qu'on a envie d'exporter à travers la musique? Je me suis intéressée un tout petit peu de près, en tout cas, à l'artiste Zaz, qui me semble intéressante, à la fois du point de vue de son expression en français, mais aussi des valeurs justement universelles qu'elle transmet à travers certaines de ses chansons, qui sont des valeurs transmises à travers le texte qu'elle choisit de poser, des mots qu'elle choisit de poser sur ses chansons, mais aussi musicales. On peut se rendre compte, en particulier sur le dernier album paru récemment, issu de sa tournée de 2014 sur les 5 continents, 93 concerts dans plein de pays du monde. Alors évidemment, une tournée pour laquelle elle a été aidée vraiment par le Bureau Export, hein, c'est quelque chose, il y a eu un partenariat très fort sur cet artiste, mais du coup qui rencontre des publics dans le monde entier, en chantant en français, avec un véritable enthousiasme, des concerts à guichets fermés. Donc au-delà, encore une fois, des explications commerciales qui sont peut-être importantes, évidemment, à prendre en compte. Qu'en est-il de cette rencontre, de cette connexion, hein, c'est le réalisateur du DVD qui accompagne cette tournée qui parle de connexion entre les êtres, hein, au bout du monde, dans n'importe quel pays où les locuteurs ne sont pas forcément francophones. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est l'esprit français? Est-ce que c'est une chanteuse qui symbolise aux yeux du monde la France? Peut-être qu'il n'est plus la France à laquelle nous, Français, nous pouvons nous rattacher aussi. Ça pose ces questions-là. J'ai lu quelques interviews dans lesquelles Zaz dit que finalement, elle est vraiment appréciée dans le monde entier. Puis en France, ça ne se passe pas forcément aussi bien aujourd'hui, alors que ça se passait très bien il y a 5 ans. Enfin, tout ça, je trouve que c'est très intéressant pour voir qu'est-ce qui se passe là. Quel sens on peut mettre derrière tout ça? Ça me semble assez stimulant. Justement, on va l'écouter aussi quelques minutes pour voir... précisément qu'est-ce qu'elle chante, enfin quel message qu'elle transmet, et quelque part, bon, comme elle est soutenue par la France, évidemment, quel message l'État français cherche à véhiculer quelque part.
Voilà, donc... Je peux ajouter... Oui, bien sûr. Donc oui, moi, la version audio de l'album dont je parlais là, de 2015, enfin, démarre avec cette chanson, et on a une idée. Ce clip date de 2013. Bon, ça a un peu avancé depuis. Et je trouve que l'écoute, en tout cas, de cette chanson en live est tout à fait intéressante. Et ce qui est étonnant, c'est que cet artiste est un peu à part, parce que finalement, la plupart des artistes français qui font des tournées à l'international, en tout cas sur les années 2012-2013, là ça a tendance à changer un petit peu, sont des artistes français certes, mais qui chantent en anglais. Donc ça pose quand même aussi cette question, hein, sur laquelle on pourra revenir. Non, mais je crois qu'on peut l'aborder là pour le coup, hein, c'est-à-dire comment, évidemment les Américains n'ont pas ce problème, puisque de fait, comme ils ont maintenant la langue mondiale, ils n'ont pas d'efforts à faire particulièrement, ils exportent dans leur langue. Mais évidemment la question pour les pays comme la France, l'Allemagne, d'autres puissances moyennes, c'est de savoir s'ils s'exportent à l'étranger, est-ce qu'ils le font dans la langue d'origine, dans la langue nationale, disons, ou est-ce qu'ils le font en passant par le médium qui est devenu le médium mondial, à savoir l'anglais. Donc ça, c'est une question importante dans la façon dont l'État se projette finalement à l'extérieur. Donc je ne sais pas si Frédéric veut rebondir sur ça. En partie, je pense que Cécile a donné un des éléments explicatifs, c'est-à-dire que la diplomatie musicale est aussi soumise à, ou subordonnée peut-être, à la diplomatie économique, c'est-à-dire pénétrer les marchés. On le voit tout à fait dans la diplomatie culturelle où la question du domaine public des musées maintenant, on le voit avec le projet du Louvre d'Abu Dhabi, fait l'objet d'une marchandisation. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais je pense qu'il y a un lien étroit entre la projection de certains artistes et la volonté de pénétrer un certain nombre de marchés. Et après, du point de vue de la question de la langue, tout dépend aussi de nos leaders politiques. Malheureusement, en France, je dirais que... moi, je suis partisan du fait qu'on... il faut un pluralisme linguistique, mais lorsqu'on me dit que l'avenir de la langue française c'est l'anglais, j'ai un petit problème moi par rapport à ça. Mais je pense qu'on a aussi un logiciel qui est probablement différent que le logiciel anglophone. Donc du point de vue du rapport à la francophonie, je pense qu'il y a probablement des raisons économiques qui président à ces choix. Voilà. Après, il y a d'autres questions il y a une autre question sur laquelle on reviendra probablement tout à l'heure, sur la musique comme langage universel, mais je laisse peut-être Cécile revenir sur la francophonie, le rapport à la chanson francophone, puisque c'est vraiment la spécialiste du chant. Oui, sans trop insister non plus, mais encore dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de réactions vives d'André Vallini, secrétaire d'État à la francophonie, qui s'insurge contre le fait, et d'une, que le candidat à l'Eurovision, ça aussi c'est intéressant, hein, on avait une communication sur l'Eurovision au moment du colloque sur la diplomatie musicale il y a 15 jours, Amir qui chante une chanson qui s'intitule « J'ai cherché », dont le refrain est en anglais. Donc le secrétaire d'État à la francophonie était très agacé par cela, et en début de semaine dernière, me semble-t-il, l'équipe de France pour l'Euro 2016 de foot annonce que la chanson, l'hymne de l'équipe de France va être aussi une chanson en anglais. Voilà. Bon, ça pose quand même des questions d'actualité, me semble-t-il, très, très importantes quand on pense à ces... Même si on n'est pas là... Enfin, si, il y a le regard du monde, enfin, en tout cas, de l'Europe ou du monde sur les pratiques qui sont les nôtres. Donc, Tout à fait. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que dans ce rapport à la langue, la question de la... quelque part de la puissance joue beaucoup, c'est-à-dire que pour les petits pays, cette question du passage à l'anglais n'a jamais été vue comme un problème, dans le sens où ils savent très bien que, je sais pas, les Danois ou les Néerlandais, que ils sont obligés de passer dans immédiatement dans le langage
anglais, alors qu'évidemment des puissances plus importantes comme la France ont certainement beaucoup plus de difficultés à faire ce saut un tout petit peu, parce qu'il y a aussi tout cet héritage de puissance qui passait aussi par la culture, évidemment. Il faut, quand on parle de diplomatie, on parle un peu de langue, là on s'éloigne un tout petit peu une demi-seconde de la musique, mais évidemment on ne peut pas oublier le fait que la langue diplomatique par excellence pendant longtemps ça a été le français quand même, donc ça évidemment c'est quand même le signe d'une puissance. Alors je reviens à la musique, on a pas mal parlé finalement de la musique et là en l'occurrence des États-Unis, de la France, mais j'aimerais peut-être qu'on aborde aussi la question de la façon dont par exemple des organisations internationales aborde cette question, c'est-à-dire comment l'ONU ou d'autres organisations régionales se situent par rapport à ça. Est-ce qu'elles prennent en charge cette question de la musique, comment elles le font, par quel type d'action, avec quel objectif aussi, parce que évidemment cette question d'objectif est importante. Donc Frédéric, tu veux peut-être rebondir sur oui, ça. Oui, bien sûr. On peut se situer à deux niveaux. Tout d'abord, l'organisation qui est, je dirais, la première intéressée par cette dimension, c'est évidemment l'UNESCO, investi évidemment sur les questions culturelles. En 49, il y a un Conseil international de la musique qui a été créé, et ce Conseil international de la musique, une de ses actions majeures, une de ses fonctions majeures, c'est la promotion de la musique classique. Musique classique, du coup, occidentale. Et pendant plusieurs décennies, évidemment, le Conseil international a favorisé la coopération entre les musiciens, l'enseignement de cette musique, la promotion de cette musique, l'organisation de tournées, etc. Ce qui est extrêmement intéressant de noter, c'est qu'avec le mouvement des indépendances, à partir des années 60 et 70, le Conseil international de la musique a changer ses priorités et à favoriser la diversité musicale et la diversité culturelle. Autrement dit, il s'agissait de ne pas forcément considérer la musique classique comme l'alpha et l'oméga de la production musicale, mais de reconnaître une pluralité culturelle. À une autre échelle, à l'échelle de l'ONU, les secrétaires généraux qui se sont succédés ont... évidemment, en fonction de leur appétence pour les questions artistiques et les questions musicales, ont tous plus ou moins mis en avant cette fameuse rhétorique de la musique universelle ou du langage universel. Dag Hammarskjöld, qui malheureusement a été assassiné pendant des conditions malheureuses et catastrophiques, avait toujours eu à l'esprit que l'art, contemporain en particulier, était une façon d'imaginer de nouvelles formes, et que l'ONU était quelque part aussi une nouvelle forme pour l'organisation, pour les relations internationales. Il était très très inspiré par le pictural et aussi la musique, et il insistait sur cette musique des sphères, qui remonte à Platon évidemment, pour assurer justement une unité, une solidarité à l'échelle globale. On retrouve ça chez certains secrétaires généraux plus récents, que ce soit Kofi Annan en particulier. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que lorsqu'on regarde la programmation des concerts organisés lors de la Journée internationale des Nations Unies, qui se situe en octobre, jusqu'au début des années 2000, le répertoire, c'était essentiellement un répertoire classique d'orchestre symphonique, donc de musique classique occidentale. On voit poindre depuis quelques années, de nouveaux chanteurs, même Stevie Wonder, qui apparemment est très aimé par Ban Ki-moon, donc peut-être que c'est ça qui explique sa venue. Mais voilà, une ouverture vers la chanson populaire, une ouverture vers aussi le patrimoine musical d'autres traditions que la tradition occidentale. Mais ça reste finalement plutôt la portion congrue. Donc on reste dans une espèce de stéréotype. La musique adoucit les mœurs ou une représentation de l'ordre du monde, mais le modèle, ça reste le modèle occidental. Et je pense qu'on pourra en dire deux mots aussi lorsqu'on va évoquer d'autres figures musiciennes qui cherchent à associer paix et musique à l'échelle internationale. Et c'est pratiquement systématiquement la musique occidentale qui revient. Alors,
peut-être que j'ai envie de demander à Cécile, précisément, comment on parlait de l'ONU, qu'elle nous dise peut-être un mot de, en partant de la déclaration précisément du secrétaire général de l'ONU, hein, Ban Ki-moon, qui parlait de la Journée internationale du bonheur. Peut-être, je pense, ça me paraît assez intéressant. Quand je suis pas sûr que dans cette salle on soit tous au courant qu'elle existe, mais elle existe. Hein. Et c'est, l'ONU, en tous les cas, y a étroitement associé. Ben, complètement. C'est d'ailleurs l'ONU qui a créé cette journée depuis 2012, Journée internationale du bonheur. En 2014, c'était le chanteur Pharrell Williams qui a été mis à l'honneur de cette journée. Vous devez vous souvenir de cette chanson « Happy » qu'on a entendue sur toutes les ondes, voilà, avec évidemment ce thème. Et puis l'année dernière, pour la journée, alors chaque année il y a un thème qui est développé, et l'année dernière, donc cette journée a lieu le 20 mars chaque année depuis 2012, et l'année dernière il s'agissait de demander en fait à tous les gens qui allaient se connecter sur le site de l'ONU, à l'international, du monde entier, de déclarer la musique qui pour eux était associée au bonheur. Et donc le secrétaire donc général des Nations Unies, lui-même déclarant, nous, ce jour-là, nous utilisons le langage universel de la musique pour exprimer notre solidarité avec les millions de personnes partout dans le monde qui souffrent de la pauvreté, des violations des droits de l'homme, des crises humanitaires et des effets de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Voilà quel était son message. Et donc la chanson numéro 1 était celle de James Brown, Got You, chanson de 1965. C'est aussi tout à fait intéressant de réfléchir sur la contemporanéité des œuvres. Hein, c'est un peu ce que tu disais à l'instant. Et donc le choix du secrétaire général était donc une chanson de Stevie Wonder, sa chanson préférée. Je ne vais pas arriver à le dire, I'm Yours, voilà, qui était pour lui sa chanson préférée. Voilà pour ce qui est de cet exemple qui me semble, bon, en tout cas symbolique sûrement, mais voilà, qui donne le ton d'une certaine, absolument, un certain intérêt, absolument. Alors justement, quand vous évoquez des artistes, hein, Stevie Wonder, James Brown et d'autres, je pense que ça peut nous permettre justement de nous interroger un petit peu sur le rôle aussi que des artistes de ce type-là, mais je vais en évoquer un autre dans une seconde, jouent ou essayent de jouer, hein, dans les relations internationales. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, d'avoir un rôle malgré tout dans les affaires du monde, et essaye d'être présent dans des débats publics pour faire avancer certaines causes en utilisant finalement leur célébrité. Et j'aimerais en évoquer un dont on va présenter rapidement un extrait. C'est un chanteur très connu, hein, le chanteur de U2, Bono, qui est chanteur, mais à côté de ça est très fréquemment invité et présent au World Economic Forum, qui est donc la réunion qui se tient à la fin du mois de janvier à Davos en Suisse, et qui réunit beaucoup de décideurs économiques, des grandes entreprises internationales, beaucoup d'hommes politiques qui viennent du monde entier pour faire en général un discours dans cette cérémonie, mais aussi des universitaires, des experts, et aussi des hommes de la culture, et en particulier de la musique, et c'est le cas de Bono. Bono, simplement, et lui, évidemment, essaie d'utiliser sa notoriété pour faire avancer la lutte contre le sida d'un côté et contre l'extrême pauvreté. Et on va le voir là dans un extrait. Alors, l'extrait est en anglais parce que tout se tient en anglais à Davos. Il n'y a pas de traduction, hein, je me prie de le noter. Donc tout est en anglais, mais simplement le contexte du débat, bon, je dirais quelques mots, et ça me paraît intéressant de voir aussi dans quelle situation, disons, Bono se trouve, avec qui il est à la tribune, donc vous le verrez avec l'animateur et quelques hommes politiques. On ne va pas passer tout l'extrait parce qu'il est un peu long, mais on va passer les trois premières minutes pour avoir une idée un peu de ce qu'il fait. Et donc le débat tourne précisément autour de ces questions de la pauvreté, et donc les différents intervenants s'expriment sur cela. Donc on va voir ça.
Karaskis, and welcome to this Associated Press Davos debate. Can extreme poverty be eradicated in the world in the next 15 years? A United Nations panel says it can be done, lifting the lives of a billion people. But the proposals suggest a massive reordering of business, politics, and lifestyles, and everything from gender equity to carbon consumption. Is this truly possible? We will ask two of the authors of that UN report and three other distinguished panels. Let me introduce them. They are the CEO of Save the Children International, Jasmine Whitbread, the Prime Minister of the United Kingdom, David Cameron, who is also co-chair of that UN panel, the lead singer of U2 and a longtime activist, Bono, the Finance Minister of Nigeria, who was a member of the UN panel, Ngozi Okonjo-Iweala, and the Chief Executive of the British insurer Prudential, Tidjum Thiam. Thank you all for being with us. Let's get right into the very big topic in front of us. 14 years ago, the world rallied around an idea called the Millennium Development Goals. These were specific targets for reducing poverty, hunger, and disease by 2015. Now, many people have been lifted. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Non, si on pouvait peut-être. Voilà. Un petit peu avancer. Voilà, là, on. Voilà, The Finance Minister of Nigeria, who was a member of the UN panel, Ngozi Okonjo-Iweala, and the Chief Executive of the British insurer Prudential, Tidjum Thiam. Thank you all for being with us. Let's get right into the very big topic in front of us. 14 years ago, the world rallied around an idea called the Millennium Development Goals. These were specific targets for reducing poverty, hunger, and disease by 2015. Now, many people have been lifted out of poverty, but a billion people or more still live on less than $1.25 a day. So let me ask each of our panelists, starting with Jasmine Whitbread, who are these extremely poor people, and what do they need the world to do now for them to lift them out of poverty? People are just like you and I. They're mums, they want the best things for their children in life, they want an education, they want, you know, decent health care. And where they're living has changed, actually, in those 15 years. It's interesting. Back in 1990, the majority, 93%, lived in the least developed countries, the low-income countries. Now, two-thirds of them actually live in middle-income countries. Prime Minister. Well, I think that the vision that we set out on the high-level panel, I think it is achievable. We shouldn't have in our world a billion people living on less than $1.25 a day. And I think the absolute key here is to recognize the Millennium Development Goals were brilliant. They inspired a generation. They were clear. They were measurable. They got politicians, countries, NGOs, people inspired. And we need something like that when they do their time. And that's what the high-level panel was about. Let's have an inspiring goal, which is the aim to eradicate extreme poverty. Let's make sure these goals are specific and measurable and clear. And also, and I think absolutely vital, and I say this as Prime Minister of a country that's fulfilled its aid obligations, this isn't just about money. It's about good governance. It's about the rule of law. It's about tackling corruption. It's about giving people access to justice. It's about property rights. It's about the rights of women. If we do those things, because those are so many of the things that keep people and countries trapped in poverty, we can achieve the goal. But it's got to be specific, it's got to be inspiring, and it's got to be about governance and corruption as well as money. Where are they? Well, they're not here. Donc ça c'est le moment comique parce qu'il demande où sont les gens les plus pauvres et il répond ils sont pas ici, ils sont pas à Davos, ce qui est vrai. And I think these new goals that we speak of will be way more successful. The more the poor are consulted, because the people these goals seek to serve are often left out of the process. And this is a practical thing as well as a sort of people-pleasing thing, because when they're signed, that moment, if it's big enough and the goals are good enough and famous enough, that will inspire a movement to make sure that they are carried through. And that movement will largely be south of the equator, not north of the equator. And that's what I'm excited about. Kind of getting out of the way of the poor will be a theme for me in this
Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci. Donc, j'ai envie de poser, en fait, à travers cet extrait, donc vous avez vu un peu le genre de panel, justement, avec un mélange de décideurs économiques, de décideurs politiques, Cameron, et de chanteurs, justement, les auteurs du rapport aussi, les ministres africains qui étaient là. Et j'ai envie de poser la question à partir de ça. Comment, disons, alors ça pose une question qui dépasse sans doute la musique, mais à travers Bono, c'est une figure de type musical. Comment est-ce que, disons, la diplomatie des célébrités peut être mise en œuvre? À quoi elle peut servir? Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose, dans le fond? Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Ou finalement, c'est quelque chose qui est une sorte de peut-être de faire valoir, mais qui n'a pas beaucoup d'impact réel. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Moi, je pense qu'elle est révélatrice des changements de la scène diplomatique, parce qu'on le voit bien, il est au cœur de représentants, et il se autodéfinit. Sa première phrase est très significative. Il se définit lui-même comme un représentant, quelque part. Bon, non élu, mais c'est un représentant. Et donc, il veut jouer le même rôle que les diplomates. Il veut négocier. Là, on a l'extrait du sommet de Davos, mais il était aussi au G7 ou G8 lorsqu'il il s'est engagé dans la campagne du Jubilé. Donc, on est dans un autre registre un exemple de diplomatie de célébrité qui révèle la transformation de la scène diplomatique, qui va au-delà, je dirais, de l'artiste comme soutien à une cause. Parce que Audrey Byrne, par exemple, elle a soutenu des causes. Alors, c'était pas une musicienne, c'était une actrice, mais elle a soutenu l'UNICEF, par exemple. Mais elle veut pas avoir le statut de diplomate. Lui, il se veut un diplomate. Il veut être dans l'interaction et négocier et contribuer à changer les mondes, quelque part. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et il apporte quoi? Il apporte ce qu'on appelle la diplomatie mégaphone. Il a une aura, il fait du buzz. Alors, la campagne du Jubilé correspond aussi à certaines valeurs que lui-même se veut incarner. Mais en même temps, est-ce que ça a une efficacité? Je pense que ça contribue à rendre plus visible, plus lisible. Mais ça crée aussi de la tension entre artistes. Hein. Bon, Geldof, par exemple, considère que c'est un traître. On n'a pas à traiter avec les leaders politiques. Donc ça crée aussi des tensions entre certains artistes et qui ne comprennent pas ce que fait ici Bono. Oui, puis parce que c'est une question que j'avais aussi posée au moment du colloque. C'est bon, ça nous éloigne aussi de la musique, enfin au sens où, de quelles œuvres parle-t-on, de quelle musique parle-t-on quand on est face à Bono qui, au titre de sa personnalité, de sa célébrité. C'est toute la question de l'évolution de la musique et des pratiques, de toute façon, sur la deuxième moitié du XXe siècle, hein, où la vedette a remplacé l'œuvre, enfin, etc., enfin, où l'image a remplacé aussi la partition, ou l'écoute, l'attention qu'on pouvait avoir à l'égard des œuvres. Je me permets de dire ça parce qu'on parle de musique, et autant à l'époque de Bob Geldof, il y avait une création collective, au moins d'une chanson qui a été. Sa chanson est. Non, considère que voilà, okay, mais n'est non. pas forcément sa meilleure production, mais en tout cas il y avait une production. Oui, complètement. Non, mais complètement. Et en fait, voilà, la question que j'avais posée au colloque, c'était mais finalement, est-ce qu'il porte aussi des œuvres avec son message, ou c'est juste sa personne qui. Non, là, je pense qu'en effet, on est plutôt dans la personne en tant que telle et pas dans l'œuvre. Mais ce que tu disais, Frédéric, à mon avis, est en effet très intéressant. C'est-à-dire que quelque part, il œuvre un peu comme un quasi-diplomate. Hein. Enfin, en tous les cas, il est dans une sorte de logique de paradiplomatie. Et ça me conduit à peut-être aborder un aspect qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder ce soir ici même. Qui est le rôle que la musique peut jouer ou qu'on essaye dans tous les cas de lui faire jouer pour dépasser des affrontements qui peuvent parfois durer très très longtemps. On sait que le conflit israélo-palestinien est un conflit très ancien qui ne trouve pas de solution depuis 1948, donc ça commence à faire quand même un sacré paquet d'années.
Et il y a eu différents types de moyens, ou en tous les cas de tentatives qui ne sont pas, évidemment, qui sont purement diplomatiques. Hein. Il y a eu des conférences, il y a eu des pourparlers qui, malheureusement, ont échoué. Mais parallèlement, il y a eu aussi des tentatives faites par certains pour se faire rapprocher, comme on le dit, alors là justement on le dit souvent en anglais, people to people, c'est-à-dire on va travailler non pas au niveau de rapprocher les États en tant que tels, mais plutôt les gens à la base. Hein. Et donc dans cette logique un petit peu de rapprochement des gens à la base, la musique sert souvent de vecteur. Et il y a évidemment un exemple très, très parlant de cela, c'est celui du grand chef d'orchestre et pianiste aussi, Daniel Barenboim, qui est israélien, argentin également. Citoyen d'honneur palestinien. Oui, exactement, tu as tout à fait raison. Ça, c'est très significatif, justement, en effet, citoyen d'honneur palestinien, et qui a fait sa carrière dans différents pays du monde, et qui, à côté de son activité de chef d'orchestre, d'artiste de façon générale, a créé en 1999 un orchestre qui s'appelle, en anglais, je suis désolé, le West Eastern Orchestra, donc le Diwan Est-Ouest, c'est le nom qu'il a pris, et qui a pour particularité de rassembler des musiciens israéliens et arabes qui se réunit chaque été en Espagne pour travailler autour d'une œuvre. Et on va justement voir Daniel Barenboim nous expliquer un petit peu la logique de cette entreprise, et puis nos orateurs auront l'occasion d'élaborer un petit peu à partir de ça. Mon point de départ n'était pas de créer un orchestre. Le point de départ, c'était de faire un forum à Weimar en 1999 pour une rencontre entre jeunes musiciens israéliens et arabes, donc musiciens de toute la région du Moyen-Orient, une rencontre musicale et, si vous voulez, intellectuelle et humaine avec Edward Said. Donc on a commencé le recrutement par Damas, Beyrouth, Amman et le Caire, et pas par Tel Aviv et Jérusalem, justement pour que dès le début ce soit clair que c'est un projet d'égalité totale et pas un projet israélien de normalisation, etc. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Je crois qu'ils sont tous d'accord sur la musique, ils sont tous d'accord sur comment on veut jouer quelque chose. Ils sont d'accord, pas sur la nature de la musique, ça, chacun a son opinion, mais comment nous voulons jouer. Ils ne sont pas d'accord sur la politique, mais ils sont d'accord sur le fait que la politique telle qu'elle est pratiquée par les différents gouvernements du Moyen-Orient est fausse. Quand ils sont arrivés en 1999, il y avait 7 Syriens. Ils avaient écouté tous depuis le jour où ils sont nés, que les Israéliens, ce n'étaient que des monstres, qui voulaient tuer tout le monde, qui voulaient, etc., etc. Et les Israéliens avaient exactement la même opinion dans l'autre sens. Donc c'est une énorme évolution. Vous savez, quand on a ces opinions-là qui sont le résultat de l'environnement d'où on vient, et on se retrouve au même pupitre avec l'ennemi, en essayant d'accorder là exactement la même hauteur, de faire ça ensemble de la même façon, de jouer le même coup d'archer, de jouer la phrase de la même façon, de jouer la même dynamique, le même. Et quand vous faites ça pendant 7 heures, et après vous allez dîner, ce n'est plus le même monstre que c'était hier. C'est aussi simple que ça. J'ai évidemment une relation avec eux que je ne pourrais jamais avoir avec n'importe quel autre orchestre, parce que je connais l'histoire personnelle de chacun, je connais le doute, je connais les frustrations, je connais
presque la volonté de violence de chacun. Mais le plus grand cadeau qu'ils m'ont offert, c'est de me donner leur confiance. Il n'y a pas un moment où un arabe peut penser que j'ai dit quelque chose, mais en effet je pense autre chose parce que je suis israélien. Et il n'y a pas un moment où les Israéliens disent « il va trop loin, il est toujours avec les Palestiniens, avec leur cause et tout ça, il n'est plus un de chez nous ». Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir. D'abord qu'ils ont cette confiance vraiment totale et j'espère pas aveugle. Voilà, donc je crois qu'en effet, c'est un beau témoignage, hein, indéniablement, où on voit le rôle que Daniel Barenboim attribue précisément à la musique pour rapprocher des peuples, en effet, que la politique s'acharne à diviser. Donc j'ai envie de demander à Frédéric comment il voit précisément le rôle de quelqu'un comme Daniel Barenboim et en effet aussi l'impact que ça peut avoir pour adoucir les relations. Là on est au cœur du sujet. Mais j'aurais peut-être trois remarques. La première, c'est qu'on est vraiment aux antipodes de ce qu'on vient de voir avec Bono. C'est-à-dire que Bono, c'est la diplomatie des célébrités. Barenboim se refuse catégoriquement à être un diplomate. Même si son discours est ambigu, hein, il dit je ne suis pas politicien, je suis un musicien, etc. En même temps, ses actes publics parlent mieux que ses discours. Mais en tout cas, il n'est pas sur le même registre. Lorsque vous écoutez en particulier le moment où il dit ce n'est pas un orchestre de la normalisation, il ne veut pas politiser sa position et sa pratique. La deuxième chose, je dirais qu'il intervient pour adoucir le conflit, non pas du point de vue de l'échelle politique, mais du point de vue de l'imaginaire. Il construit un orchestre, donc il construit de nouvelles représentations. Et lorsqu'il dit voilà les coups d'archet, on est au cœur de l'idée de la musique est un mouvement. Hein. Il y a Aragon qui disait la merveille de la musique, c'est de n'être que mouvement. Et là, le mouvement global, c'est le mouvement qui est partagé par l'ensemble des musiciens. On est au cœur de ce que tu fais du point de vue de la médiation, hein, de la pratique musicale. Mais il se situe du point de vue de l'imaginaire. On peut envisager une coopération, alors ici ponctuelle, pour jouer du Beethoven ou jouer autre chose, je ne sais pas. Enfin, voilà. Mais on peut imaginer une nouvelle relation avec une nouvelle représentation de l'ennemi. Et donc c'est ça qui contribue à transformer du coup transformer les choses. Enfin c'est sur ce registre-là qu'il veut se placer. D'ailleurs il parle de la République du divan pour rendre compte de cet orchestre. Donc l'orchestre est un vecteur d'adoucissement des relations. Alors le problème c'est que pourquoi ces musiciens sont là? Est-ce qu'ils veulent pas plutôt faire carrière à l'étranger plutôt que après revenir dans leur pays d'origine et où ils vont subir évidemment toutes les représentations classiques de l'ennemi? Bon, ça c'est une question qui limite en tout cas l'entreprise. Puis ma troisième remarque, et ça renvoie à l'idée de la musique universelle, c'est qu'en fait le programme de l'orchestre est un programme très classique, c'est la musique occidentale. Il n'y a pas de patrimoine de musique juive ou palestinienne ou arabe. On est sur une musique tierce, neutre, apparemment neutre. Mais on est sur de la musique occidentale. Donc ça veut dire en nouveau que la musique pacifie, mais c'est une certaine conception de la musique. C'est à discuter. C'est vraiment à discuter. Il y a d'autres expériences, comme, alors qui n'est pas une expérience de transformation des conflits, même si quelque part elle nous donne aussi à voir la transformation des relations internationales. C'est le Silk Road Project de Yo-Yo Ma, hein, la route de la soie, qui est complètement différent. C'est-à-dire que c'est de la musique improvisée sur de la musique instrumentale traditionnelle, enfin des instruments traditionnels d'Orient, d'Occident. C'est un tout autre modèle hein, où on invente un nouveau répertoire. Là, il n'y a pas d'invention d'un nouveau répertoire qui serait commun. On joue le répertoire classique. Cécile, peut-être sur cette question aussi de finalement de on l'a vu déjà auparavant quand on a parlé de l'ONU ou de l'UNESCO. C'est vrai que finalement le référent souvent demeure majoritairement la musique occidentale. Donc qu'est-ce que ça nous dit aussi dans ce rapport finalement qui est proprement politique aussi, c'est-à-dire la dimension de l'universel et... Moi j'ai un peu observé ça à la fois. Alors c'est intéressant si on réfléchit à finalement, dans les activités musicales, encore une fois,
comment on peut se situer au niveau de la formation, par exemple, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'occasion d'accompagner un orchestre, l'Orchestre français des jeunes, pendant 3 ans sur le terrain, en résidence à Aix-en-Provence. J'évaluais un dispositif de médiation, justement, où les jeunes devaient présenter les œuvres, aller à la rencontre des publics dits empêchés, en prison, en hôpitaux, etc. Et puis, il y a eu une session, il y a deux ans, où l'Orchestre des jeunes irakiens était invité. Donc, il y a eu une rencontre de l'Orchestre français des jeunes et de l'Orchestre des jeunes irakiens. Et alors, en effet, évidemment, le but de cet orchestre, c'était de faire concert avec un grand chef international autour de pièces classiques, en tout cas. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment, évidemment, les rencontres pouvaient se faire entre les jeunes Français et les jeunes Irakiens. Et je me souviens d'un moment tout à fait symbolique, bon, je ne sais pas si, qui pour moi a du sens par rapport à ce qu'on évoque ce soir, c'est qu'à un moment, les jeunes Irakiens ont présenté leur musique aux jeunes Français. Donc, ils ont amené un poste et ils ont fait danser tout le monde sur des musiques traditionnelles. Et inversement, les Français, bah, qu'est-ce que nous, on peut présenter comme la musique qui serait notre identité commune? Et là, bah là, ils ont mis vite fait la Macarena et tout le monde a dansé. Voilà, ça, c'était un symbole qui m'a semblé tout à fait fort. Hein. Alors, les formations finalement, peut-être liées aux échanges, hein, aux échanges culturels, aux jumelages, ce que j'ai pu repérer en tout cas à l'international, on va toujours être dans des formations orchestrales, des formations de musique classique. Enfin voilà. Donc il y a cette question-là. Au niveau de la diffusion et particulièrement sur la question des festivals, ce qui me semble tout à fait intéressant aujourd'hui, c'est de voir, en tout cas à l'échelle européenne, c'est ce que j'ai pu observer, qu'il y a de plus en plus de festivals européens. Il y a EuropaVox à Clermont-Ferrand en France. Il y a des réseaux aussi qui se tissent. On n'a pas parlé trop du numérique, mais en tout cas, la toile permet de tisser des réseaux des festivals européens où vont être accueillis plein d'artistes de différents pays d'Europe. Et du coup, l'autre question qui m'importe beaucoup, c'est finalement, on ne l'a pas trop évoqué encore jusqu'à maintenant, mais c'est destiné à qui tout ça? Quels sont les publics qui vont s'emparer de ces œuvres qui vont se rencontrer aussi et de ces artistes qui vont faire œuvre commune? Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs manières de penser ces questions-là. Et puis aussi, les médias sont importants. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tout le travail de RFI, Franco Diffusion, TV5 Monde, il y aurait aussi des choses à creuser à ce niveau-là sur la visibilité à l'international, en tout cas le rayonnement, si on repense à la culture française, mais c'est pas uniquement ça qui est important dans nos discussions. La question de la réception est centrale par rapport à notre question de départ, la musique et l'élucité de Lemmers. Si on reprend le cas de Barenboim, le public, et c'est un des aspects critiques de l'expérience, et ça s'adresse essentiellement à un public européen ou occidental. Et alors, malgré évidemment les difficultés auxquelles se heurte Barenboim pour organiser les concerts directement, par exemple en Palestine, il n'y a pas l'autorisation pour le visa, etc., des ressortissants et des citoyens israéliens. Mais il y a en effet des limites, c'est-à-dire que ça s'adresse à qui? Pas forcément au public israélo-palestinien, ou un public israélien ou un public palestinien. Ça s'adresse à un public occidental. Et puis quel public en Occident aussi? Parce que c'est aussi le public de la musique classique. Oui, bien sûr. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, peut-être pas de la question, mais en tous les cas, on a abordé beaucoup d'aspects qui nous permettent d'y voir, je pense, plus clair sur ces rapports entre musique et diplomatie et relations internationales. Donc je pense que le temps des questions est venu. Jérémy a le micro en main. Qui veut se lancer? Bonsoir. Au niveau international, c'est plus pour servir quelque chose.
Bah, typiquement, l'expérience de Barenboim, qui est un peu l'expérience emblématique là, dont on a parlé ce soir, par rapport à notre question de départ, oui, l'impact, il est essentiellement pour les musiciens. Il se situe à ce niveau-là. Donc, c'est à l'échelle non pas de l'ensemble des sociétés, mais à l'échelle de quelques personnes, à l'échelle individuelle. Comme disait Alain tout à l'heure, people to people, mais certains d'entre eux, hein, et pas globalement. Après, le reste, pour Bono, il utilise plutôt sa notoriété pour en effet une cause. On est sur une autre perspective, on n'est pas sur une transformation globale, on est plutôt sur une sensibilisation, en fait, sensibilisation à certains enjeux internationaux. Alors, on a évoqué ici par rapport au jubilé, par rapport à la question de la pauvreté, mais il est encore impliqué, enfin, il est impliqué aujourd'hui pour la question des migrants, par exemple. Donc, il n'y a pas que la cause de la pauvreté qui l'intéresse. Donc, c'est plutôt une espèce d'effet buzz, on pourrait dire. Le musicien vient donner un effet buzz. Mais par rapport à notre question de départ, la musique adoucit-elle les relations internationales? C'est l'expérience de Barenboim ou l'expérience d'autres orchestres. On a des expériences aussi dans les Balkans, par exemple, en ex-Yougoslavie, où il y a des chorales interconfessionnelles qui sont mises en place avec du répertoire du coup musulman, du répertoire orthodoxe, etc. Mais un patrimoine d'ailleurs vocal à vocation spirituelle. Mais là encore, se pose la question du public. Qui va écouter? C'est des personnes qui sont déjà sensibles à cela. Donc on se heurte immédiatement à un certain nombre de limites. Mais je pense que le rôle de la musique ne peut pas être un rôle symbolique à l'échelle globale. C'est surtout lié à la pratique. La musique, on évoquait un petit peu ça tout à l'heure lorsque Cécile s'interrogeait sur la spécificité. Comparativement à la peinture, comparativement à la sculpture ou à d'autres arts, la musique, c'est une pratique, c'est lié à une performance. Et donc, c'est lié au fait de faire quelque chose à un moment donné. Et donc, c'est d'abord aux musiciens et aux ceux qui pratiquent la musique qui ils sont déjà impliqués dans le processus de transformation ou d'adoucissement, si vous voulez. Ça s'adresse d'abord à ces gens-là, je pense. Et là, c'est une particularité de cet art par rapport aux autres arts, je pense. Oui, sauf qu'on peut aussi penser l'écoute comme une pratique et oui. La sortie au concert, au festival, et voilà, aussi comme une autre pratique musicale. Et je pense que du côté des acteurs, c'est vraiment là qu'il se passe des choses. Hein, justement, là, j'évoquais les festivals, mais je crois qu'il y a une véritable circulation des œuvres qui passe aussi par l'écoute. Par le fait d'être, ben voilà, cette idée de citoyen du monde, enfin, il y a des artistes qui revendiquent ça aussi à travers leurs œuvres. Et puis, ben, qu'est-ce que ça signifie de se retrouver à 300 000 à un festival pour aller écouter des artistes qui viennent pour le coup de différents pays avec, alors peut-être des esthétiques communes, mais aussi des langages distincts. Je pense que par là aussi, les relations internationales au niveau des acteurs me semblent aussi passer par ces rencontres-là, ces échanges culturels. Quelle est la première chose quand on va à l'étranger, enfin en tout cas quand on est jeune, dans les jumelages, ben on parle musique avec son correspondant, ça fait partie de ces choses-là aussi qui font qu'on s'ouvre sur le monde, si on a l'opportunité de pouvoir faire des rencontres à l'étranger, à l'extérieur de son territoire. Je pense aussi que des festivals comme Babel Med à Marseille, qui existe depuis pas mal d'années maintenant, autour des musiques du monde, qui est un festival qui accueille plein de pays différents autour de ces musiques, fait partie de ces acteurs qui font qu'à un moment, la musique permet aussi ça, ces rassemblements-là, des publics autour de la musique. Quelqu'un d'autre ? Non. Oui, Jérémy. On a parlé un petit peu assez rapidement de la diplomatie culturelle, de soft power, etc. Enfin, justement, soft et adoucir, on aurait pu. C'est pas un problème qui s'appelle comme ça aussi. Et j'avais deux petites questions. Il y en a une qui est répondue en partie sur la spécificité de la musique dans cette dimension de soft power par rapport aux autres industries culturelles. Est-ce qu'elle aurait un impact différent par la nature même de la discipline, par rapport au livre, par rapport au cinéma, ou pas. Et puis, par rapport aux nouveaux acteurs de cette diplomatie culturelle, je ne veux pas poser une colle, peut-être que je ne sais pas si c'est une question pertinente, les acteurs de la diplomatie qui cherchent à exister sur la scène culturelle internationale, comme la Chine, est-ce que quand on développe une nouvelle diplomatie culturelle aujourd'hui, est-ce qu'on mise sur la musique particulièrement?
Peut-être pour la première question, je pense que la question de l'ubiquité, la musique qui circule partout, qu'on peut entendre partout, qui est quelque chose de, voilà, qu'on peut attraper en marchant, en écoutant la radio, en étant chez soi, en regardant son ordinateur. Enfin, c'est encore, quand on n'est pas dans l'orchestre à pratiquer, c'est très important de voir comment cet art circule énormément, me semble-t-il, plus que les autres. Et puis, il y a la question de la durée des œuvres, bien sûr, de la répétition, tout ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en quoi aussi nos oreilles sont attirées. Alors, évidemment, chaque art attire particulièrement un de nos sens, mais il me semble que cette question de l'appropriation aussi, de ce qu'on fait soi-même de la musique, de la relation intime à la musique, enfin, tout ça... Qui est là au départ, au début de la vie. Enfin bon, il y aurait plein de choses à dire autour de ça, mais peut-être que c'est un art particulier, au-delà de l'universalité, mais qui est là dans le temps, dans l'espace, et qui nous accompagne, même des fois malgré nous. Quand on ne veut pas en écouter ou en entendre, on peut nous en imposer aussi. Donc je pense que c'est pas comme... Et puis on peut l'entendre à plusieurs en même temps aussi. C'est pas comme le livre ou... comme la toile où on est. Enfin bon, voilà. Je pense qu'il y a des choses de cet ordre-là qui sont. Et puis surtout, le livre, il y a toujours la question évidemment de la traduction. C'est-à-dire que là, la question de la langue, elle joue un vrai rôle. C'est-à-dire que si vous ne savez pas lire la langue, vous n'avez tout simplement pas accès. Là, de ce point de vue-là, en tous les cas, la musique orchestrale, qu'elle soit traditionnelle d'ailleurs ou classique, il n'y a pas cette barrière-là. Donc il y a une accessibilité. Qui, en ce sens-là, la rend plus facilement universalisable, indéniablement. Frédéric ? Certains ethnomusicologues qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, les nouveaux conflits, que ce soit en Afrique ou en ex-Yougoslavie, ont suscité un intérêt de la part des ethnomusicologues, au-delà de la récolte, je dirais, du patrimoine musical, qui est en fait, le savoir-faire initial des ethnomusicologues, se sont de plus en plus penchés sur le rôle de la musique dans les processus de réconciliation post-conflit. Et la plupart d'entre eux considéraient justement qu'à la différence des autres arts, la musique, elle s'adresse à la fois à la raison et à la fois à l'émotion, enfin l'émotion, à notre partie sensible, puisque aussi on l'éprouve par notre corps, quoi. Et donc là, il y a aussi une spécificité que la dimension sensible est peut-être plus accentuée, enfin c'est ce que certains travaux tendent à mettre en avant, que dans d'autres arts. Mais concernant votre seconde question, les émergents investissent de plus en plus ce secteur de la diplomatie culturelle. Si je reprends l'expression du soft power, par exemple, la Chine, depuis 2008, a inscrit dans son livre blanc de la politique étrangère cette dimension du soft power, parce que prenons en considération que si l'Union soviétique a perdu la guerre froide, c'est parce qu'elle ne s'est pas assez investie en la matière. Et donc, pour être une puissance globale, c'est à la fois augmenter le budget de la défense, augmenter la capacité des militaires à savoir utiliser ces arsenaux, mais c'est aussi investir la dimension culturelle. Ce qui prouve qu'un internationaliste, s'il se base uniquement sur les enjeux militaires ou de défense, il rate aussi un aspect du répertoire d'action, si là je raisonne en tant que sociologue, il rate un certain nombre d'éléments et de phénomènes qui se déroulent sur la scène mondiale. Et la Chine a mis en place un dispositif bureaucratique, une espèce d'agence, qui est chargée de promouvoir un certain nombre d'œuvres chinoises à l'étranger, et notamment, et c'est pas un hasard, un opéra qui avait été monté à la fin des années 70, début des années 80, donc une phase post-Mao, qui était justement sur la thématique de la route de la soie. Et il y a une chanson, alors je ne suis pas chinisant, donc ne me demandez pas de prononcer ça en mandarin, mais qui rend compte du ballet des différentes nations sous le contrôle de l'Empire, évidemment, chinois, et qui est d'ailleurs une œuvre assez intéressante parce que elle rend compte des liens entre la Perse
et la Chine. Le héros, c'est en fait un héros dont la fille a été capturée par un administratif corrompu, et donc il y a une critique indirecte de la phase Mao en tant que telle. Donc c'est une œuvre qui est très riche du point de vue du jugement que les Chinois pouvaient avoir à l'égard de la phase Mao, et qui est considérée comme une œuvre fondamentale pour projeter l'influence et la conception qu'a la Chine de son espace réservé, l'Asie centrale, la route de la soie, c'est un espace sous contrôle chinois. Donc c'est une façon, comme les États-Unis, de projeter leur conception du monde et d'exploiter donc l'opéra chinois et le ballet chinois à l'échelle internationale. Si je me place du point de vue des émergents 2.0, alors c'est pas un émergent 2.0, j'entends émergent 2.0, c'est-à-dire des nouvelles puissances au-delà des BIC, Brésil, Inde et Chine, puisque pour moi la Russie n'est pas un émergent, à moins d'effacer la Russie ou l'Union soviétique du XXe siècle, de l'histoire du XXe siècle, ce qui est un peu hasardeux. Un État comme la Corée du Sud, par exemple, avec la pop de la Corée du Sud, on voit, c'est intéressant d'ailleurs, où l'industrie culturelle que vous évoquez est une industrie qui est sous contrôle, c'est un capitalisme d'État, choisit de diffuser un certain nombre de chansons dont la plupart, mais enfin ma fille connaît ça parfaitement parce qu'elle a dansé ça sur cette chanson il y a quelques années, vous la connaissez tous, investit en effet ce domaine. Et là, à mon sens, on peut établir un lien entre cette promotion de biens musicaux à l'extérieur avec la transformation du capitalisme global. La valeur ajoutée aujourd'hui du capital, enfin, la production de la richesse, elle provient moins de la production en série d'un bien de consommation que de la recherche d'une molécule, d'une formule ou d'une chanson qui va après avoir des droits d'auteur, et on va récupérer finalement la richesse de l'exploitation de cette œuvre. Et je pense que les émergents, en tout cas la Corée du Sud, a tout à fait compris ce dispositif. Donc la réponse est oui, les émergents essayent aussi de se faire entendre par le biais de la musique, pas simplement sur la scène mondiale à travers leur voix, mais aussi par ce qu'ils produisent musicalement. Question ? Non ? Moi, j'ai une question pour Cécile, alors. Ah bah, très bien, très bien. Non, parce qu'on a tourné un petit peu autour du pot depuis le début de cette conférence, mais qui est une question qui n'est pas du tout évidente, on n'a pas encore répondu, mais c'est la question de la musique comme langage universel. Pour toi, la musique est-elle un langage universel ? Et quelle musique est un langage universel ? Bien. Je n'ai pas de réponse toute faite. Hein, c'est absolument quand je vois comment les musicologues, les ethnomusicologues sont, enfin voilà, vous en avez qui sont pour, d'autres contre, qui pensent que oui, qui pensent que non. C'est vrai qu'avec mes objets de recherche et particulièrement la chanson, j'essaye de mettre d'abord en avant, parle-t-on de musique instrumentale ou vocale, et du coup, qui dit vocale dit est-ce que l'opéra est une musique universelle quand on a des sous-titres, enfin voilà, ça pose déjà ces questions-là. Donc au-delà du fait d'être d'accord avec tous les travaux préexistants qui datent depuis le milieu du, même voire avant, début du XXe siècle, sur ce que j'expliquais tout à l'heure, certains paramètres sonores qui ont été repérés dans toutes les civilisations, les questions de répétition, variation, de thème, d'introduction, de tension, de détente, ces choses-là, on les retrouve dans la plupart. C'est universel. Ça, c'est relativement universel. Ensuite, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la question des émotions, l'exemple des pygmées me semble tout à fait intéressant. Enfin, si la 9e de Beethoven, c'est avec un reportage formidable qui a eu lieu autour de cette œuvre, nous fait penser que c'est une œuvre universelle, que tous les peuples se sont appropriés et qu'elle a un impact très fort, en particulier sur le final de l'œuvre auprès de tous les peuples, c'est intéressant de savoir que les pygmées n'ont aucune émotion en écoutant cette musique-là. Enfin, ça pose toutes ces questions-là. Ensuite, on l'explique comment ? C'est-à-dire, c'est la question de l'habitude sonore, le fait d'avoir été exposé à cette musique qui fait que, du coup, on perçoit justement la musique différemment et qu'on n'est pas ému par ce que l'on entend. Je pense qu'il y a vraiment la question du bain sonore, oui, c'est important.
C'est important, c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple chez des personnes qui n'ont pas d'appétence ou d'habitude, par exemple sur l'écoute de la musique classique, et qui vont, parce qu'ils ont vu 1000 fois une publicité, avoir une émotion parce qu'ils vont entendre un extrait d'œuvre de Shostakovich ou d'un autre compositeur, et ça va leur parler dans leur intimité autant qu'à d'autres. Donc je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du bain sonore, oui, des repères auditifs qui sont très importants. Et puis peut-être aussi de la question de la tonalité. On est bercé aussi par cette question de la tonalité dans nos sociétés occidentales. Et les repères de l'écriture musicale ne sont absolument pas les mêmes dans d'autres cultures. Donc je pense que tout ça est lié. Mais la question des habitudes me semble tout à fait importante en tout cas. Et tu évoquais par exemple la question de la tonalité. C'est vrai qu'en même temps, cette tonalité, elle est très... comment dire, elle est très limitée dans le temps quand on regarde l'histoire de la musique. C'est vrai que, apparemment, d'ailleurs, moi j'ai su ça il y a quelques années, mais que pour les musiciens du Moyen-Âge, l'intervalle d'une tierce, qui est fondamental pour la musique tonale, était considéré comme un intervalle du diable, le diabolus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de faire justement cet intervalle. Donc, ce qui aussi montre que la musique qu'on qualifie d'occidentale, ouais, elle-même... Elle a évolué énormément. En attendant, aujourd'hui, qu'en est-il de cette question de l'appréciation de la tonalité ou de la tonalité? Ça pose la question aujourd'hui de la musique. Je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, tiens, est-ce qu'il y a, dans la musique contemporaine, à partir des commandes d'État, est-ce qu'il y a des missions comme ça dans le monde de cette musique créée en France qui sont envoyées dans le monde pour justement... pour des raisons de diplomatie musicale, c'est une vraie question. C'est une musique qui est peu visible, en tout cas, de la majorité des publics. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis finalement, les musiques populaires occidentales fonctionnent toujours sur les mêmes modes d'écriture, mine de rien. Ou à la marge, dans l'improvisation, en jazz, etc. Enfin, mais ça pose de vraies questions, Alors, selon, je pense que cette question de la tonalité, enfin, en tout cas aujourd'hui, depuis... est un signe de reconnaissance, en tout cas, relativement universel dans nos cultures. Mais bon, voilà, c'est complexe. On se rend compte aussi qu'évidemment, on a mis dans le titre la musique, mais en réalité, c'est les musiques, parce que bien évidemment, elles sont très diverses. Bien sûr, ce qui les unit, c'est qu'il y a du son, mais ce son peut s'exprimer d'une façon extrêmement différente. Et je pense en effet, la question de la réception est aussi importante, et la question qui peut se poser, je relis à nouveau la question de la musique plus directement à la question de la puissance, qui est évidemment un concept important en relations internationales. Ce que tu disais sur la Chine, la question c'est de savoir si un jour l'opéra chinois par exemple sera reçu de façon, je dirais, aussi universelle que l'est une symphonie de Beethoven ou de Sibelius ou d'autres. Ce sera, à mon sens là, une indication quelque part forte d'un changement aussi du rapport de force finalement international, parce que ça signifiera quelque part que les référents ont bougé. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tous les cas, ça me paraît un point d'entrée assez intéressant aussi. Mais c'est là où s'est située justement la force des Américains. C'est-à-dire que les Américains ajustaient leur offre musicale en fonction du récepteur. Et lorsqu'ils organisaient des tournées à l'étranger, ils étaient extrêmement sensibles à l'audience, enfin, les auditeurs. Et je pense qu'ils avaient intégré ce paramètre. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons rester là pour ce soir, et d'ailleurs pour le cycle de cette année universitaire, en tous les cas, ce qui nous concerne. Donc je ne sais pas si Jérémy a ajouté quelque chose.